إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد شير فرير إسران إسلام شير التلسبيكتاتير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوائل بينفيني على كوت دي بوتر إميسيون ترافير ست نوفيل شين ساتليتير تيفي النور J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur. Nous avons en effet, comme nous l'avons toujours rappelé, une triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Balligu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse pour nous tous cette télévision et qu'il nous fasse profiter de cette émission, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, revenons sur le verset 12 de la sourate 65 où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allah alladhi khalqa sab'a samawat wa min al-ard mithluhunna yatanazzalu al-amr baynahunna » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. C'est Allah qui a créé cette cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent. Donc, il a pouvoir sur toutes choses et qu'Allah embrasse toutes choses de son savoir. Eh bien, comme nous l'avons dit, la terre, comme le ressort clairement de ces versets, est composé de cette couche. Regardez, s'il vous plaît, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les hommes. Comment il a réparti proportionnellement tous les éléments nécessaires à l'existence humaine sur la terre. L'eau, l'oxygène, l'hydrogène, l'air, le gaz carbonique, les plantes, les arbres fruitiers et non fruitiers, etc. Tout ça, c'est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'œuvre du sage, du bien informé, du compatissant, du bienveillant, du doux, qui connaît les besoins de ses créatures et par conséquent, il a créé ses besoins, il a créé plutôt les nécessités ou en tout cas les éléments nécessaires à l'existence de ses serviteurs. Si l'épaisseur de la couche supérieure de la terre avait augmenté de quelques kilomètres seulement, elle aurait consommé tout l'oxygène qui se trouve actuellement sur notre planète, car cette augmentation fera inéluctablement appel à un apport d'oxygène. Si cette augmentation s'était produite, alors il n'y aurait plus ni vie végétale, ni vie animale, ni gaz carbonique sur la Terre. Pourquoi ? On sait aussi que l'oxygène représente 88,8% de l'eau qui se trouve dans le monde entier, et le reste, c'est-à-dire les 11,2%, sont constitués par l'hydrogène. Alors, que se passerait-il si cet hydrogène, au moment de la séparation de la Terre avec les autres planètes, comme nous l'avons vu dans d'autres émissions, eh bien, il n'y aurait plus d'oxygène sur Terre, car l'oxygène qui se trouve sur la Terre va se combiner à cette nouvelle augmentation de l'hydrogène
pour former de nouvelles molécules d'eau et de cette façon, l'eau aura envahi, l'eau aura atteint chaque point de la Terre de la même façon que l'oxygène se trouve en tout lieu de la Terre aujourd'hui. Donc nous avons l'oxygène partout sur la Terre. Eh bien, s'il y avait eu une augmentation, c'est plutôt le contraire qui serait produit, c'est-à-dire l'eau qui envahirait, l'eau qui atteindrait donc tout point de la Terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît nos besoins, il a donc réparti proportionnellement ces éléments à travers donc la Terre pour que donc les gens puissent en profiter et mener leur existence. Qui a donc créé ces éléments naturels et les a répartis en quantité suffisante et en proportion bien déterminée de sorte qu'ils couvrent les besoins des êtres vivants sur la Terre? Qu'est-ce qui se passerait si la Terre avait été créée avec un déficit ou une disproportion de certaines matières, de ces matières premières que nous venons de citer? Pourquoi donc les gens ne se montrent-ils pas reconnaissants envers Dieu pour tous ses bienfaits? Ça, c'est en fait pour un meilleur enchaînement pour de ce que nous avons déjà dit. Donc, nous avons rappelé ces versets de la sourate 65, les versets 12 de la sourate 65, afin donc de continuer notre raisonnement, parce que nous sommes toujours dans l'introduction à notre matière qu'on appelle le tawhid, c'est-à-dire la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou si vous voulez, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un sujet tellement important, tellement capital, tellement fondamental, comme nous l'avons dit, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de prendre notre temps, le temps nécessaire pour expliquer pas à pas, pour tout le monde, musulman et non musulman compris, cette matière, cette unicité, cette discipline sur laquelle s'est basée la prédication, l'appel ou la mission de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de façon particulière, de façon générale, la mission de tout prophète à travers le temps. Donc, qu'est-ce qui se passerait si la Terre avait été créée avec un déficit ou une disproportion de ses matières premières? Pourquoi les gens ne se montrent-ils donc pas reconnaissants envers Dieu pour tous ses bienfaits? Qui a créé l'air que nous respirons? Qui a créé l'oxygène? Qui a créé l'eau? Qui a créé tous ces éléments? Nous allons voir l'être humain, comment son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a pris soin de lui depuis l'état embryonnaire jusqu'à sa mort, mais je dirais jusqu'à son entrée dans la béatitude éternelle, c'est-à-dire dans le paradis. Donc pourquoi les gens ne se montrent-ils pas reconnaissant envers le Créateur qui leur a créé tous ces éléments dont ils sont, qui sont indispensables à leur existence sur la Terre? Si l'air que nous respirons s'arrêtait un moment aussi court soit-il, nous nous rendrons compte de la miséricorde d'Allah sur nous. Regardez encore la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers l'alternance de la nuit et du jour, si le jour se prolonge seulement de 10 fois sa durée normale, le soleil aurait anéanti, c'est-à-dire brûlé toute plante se trouvant sur la terre, et de cette façon il n'y aura plus de vie humaine sur terre, car c'est par les biais de ces plantes que Dieu nous entretient la vie, c'est-à-dire grâce à la synthèse chlorophyllienne. Et nous savons que le jour sur certaines planètes est 10 fois plus long que notre jour. Par exemple, un seul jour sur la lune équivaut à 14 jours sur la terre, et un seul jour chez Allah, chez Dieu, équivaut à 1000 ans chez nous, d'après notre compte, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, chers frères et sœurs en islam, il n'y a rien de fortuit dans cet univers. Tout est calculé, tout est dosé, tout est proportionné. Donc, en fonction, bien sûr, des besoins des serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et a créé ces planètes et a créé les conditions d'existence. Donc, des êtres dans ces différentes planètes. Et c'est pourquoi, pour le moment, c'est la seule planète, c'est-à-dire la Terre, la planète Terre, qui convient à l'être humain, vu sa dimension, vu les conditions nécessaires à son existence. Par conséquent, il faut être conscient et surtout reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits que nous voyons et les bienfaits aussi qui nous sont invisibles. Parce que ce que nous citons, ce sont des bienfaits visibles, mais il y a aussi d'autres bienfaits qui sont
invisibles d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont nécessaires pour notre existence. Chers frères et sœurs, nous allons prendre une petite pause avant de continuer donc notre thème.